Paye ton soleil sous les arbres. Oh, c'est beau, c'est beau. Je vais aller m'enfermer dans la salle de bain. Allez, à tout de suite. Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Yep, salut YouTube, salut la clique, salut tout le monde. Aujourd'hui, comme promis, je vous avais promis que je me raserai avec le petit filin numéro 13 que j'ai, du coup, j'ai refait le bisou la vidéo précédente en fait, avec seulement deux pierres. Je conseille d'aller voir la vidéo, le lien va s'afficher ici, voilà. Donc, on va s'y coller. Pour ce faire, j'ai choisi un petit Phoenix Accoutrement Artisan, ok, un PAA Cold Spices. Donc il est mentholé et tout, formule CK6, donc avec plein de beurre dedans. Petite brosse Simpson Best Badger Emperor numéro 1, numéro 1. C'est très petit, voilà, si vous le comparez avec mon Emerald, il est tout pitchout, voilà, mais je l'aime bien, il est super pratique et super maniable. Très bonne brosse. Donc, bah écoutez, je vais prendre ma douche et on va s'y coller, on va tester ce biseau de dingue. C'est parti, go. Ça claque, ça fait du bien une petite douche. Donc, hop, j'essore ma brosse. Manière. Petit montage de mousse avec le PA. Le PA, il mousse cash, c'est vraiment, c'est, voilà, c'est instantané. T'as pas besoin de faire un chargement de fada, ça envoie du lourd direct. Voilà. Et puis en plus c'est très très gras, donc il n'y a pas de souci. Hop. Oh, t'avais de la mousse, Guigui. Oh oui, j'avais de la mousse. Tu fais que parler. Bah oui. Hop. Bon, c'est un savon. J'ai déjà dû me raser avec en vidéo, donc je le présente pas. Puis en plus, on n'est pas là pour le savon. On est là pour le filat. Le filat nouveau dur. Donc voilà. Hein. Je tiens à préciser que ce rasoir n'est pas à moi. Il est à quelqu'un que vous connaissez bien. Mais je ne vais pas répéter son nom à chaque fois. Donc voilà. À vous de deviner. Vous marquerez dans les commentaires à qui il est ce rasoir. Hein ? Voilà. On verra si vous avez juste. Hop. Très bonne mousse, PA, comme d'hab. Puis là, l'odeur d'épices, un peu old school et tout, ça le fait grave. Voilà. Bon, c'est pas mal. J'ai des grands poils quand même, mais là ça devrait le faire. Donc on va commencer, on va s'y attaquer, on va s'y coller. Allez, petit filin. Faire un peu le tour de la bouche, histoire de ne pas bouffer trop de savon. Hop. Oh. Au lieu de me l'enlever, je m'en mets deux fois plus. Voilà. Allez, c'est parti, testons ce biseau. Parce qu'au microscope, il avait l'air magnifique. Et maintenant, il faut voir si c'est la même au rasage. Ah ouais. C'est très très doux. Ah ouais.
Vous avez vu la barbe que j'avais tout à l'heure là? Elle est partie en 5 secondes sans appuyer. C'est magnifique. C'est beau. C'est très très beau. Alors j'ai toujours des commentaires quand je me fais des rasages. Des mecs de Facebook ou je ne sais d'où. Et... oui, avec ce rasoir, il faut faire d'une oreille à l'autre, d'une traite. Ah, mais vas-y, Coco, mais montre-moi. Fais une vidéo et montre-moi comment tu fais toi tout seul dans la glace pour partir d'une oreille à l'autre, comme ça, d'un coup, d'un pet. Là, admettons, là, comme ça. Et tu pars jusque-là en te faisant le collier de barbe et tout. Vas-y, Coco. Je t'attends, je suis là, je suis à Colomiers, je t'attends, viens me montrer, viens. Parce que là, moi, je comprends pas, hein. Voilà. Je comprends pas comment tu fais. Les mecs, cachés derrière leur PC, ils sont toujours plus forts que les autres. C'est fort, ça. Moi, je suis plus balèze que toi. J'en ai une plus grosse, ouais. Viens. Viens me montrer. Ça coupe. Ça coupe, chérie. Ça va couper. Ah ouais. Ça coupe, ma foi, pas mal. Hein. Ouais, ouais. C'est bon. Allez, continue. L'autre joue. Pardon, vous n'y voyez plus. Je le fais au téléphone. Parce que la dernière fois, j'ai réussi à le faire avec le Alice Blade. Et donc, je me dis, voilà, là, je peux le faire. Alors, attendez. C'est pas droit, Guigui, c'est pas droit, c'est normal, je suis au téléphone. Tu feras le collier plus tard, oui. On fait le collier à l'œil, oui, allez. Ouais. Bon. C'est un peu foireux, mais c'est pas grave. Allez, on continue, on s'en fout. On s'en fout. Ça coupe tellement bien que. C'est un plaisir. Tu vois, mais que ce soit un 14, un 13, un 12, les filas. Les filas. C'est toujours un putain de plaisir de se raser avec. C'est top. Les mecs. Voilà. Ils étaient réguliers dans leur travail, comme je disais pour la vidéo du biseau de celui-là. Les mecs. Bah, je sais pas, moi je trouve qu'ils. Ils étaient réguliers et j'ai rarement trouvé un fila où où j'ai galéré pour refaire le biseau, refaire la lame. Généralement, elles sont toutes bien conservées, toutes restées bien droites et tout. Et c'est de la bombarde, quoi, franchement. Ces rasoirs-là, ils sont au top. Allez, je m'insouille et je vous retrouve pour la seconde passe. Go! Seconde passe, c'est parti avec le reste de mousse que j'avais sur le blaireau, comme d'hab. Je fais pas deux chargements, j'en fais qu'un. Je fais des économies, en plus la plupart des savons, ils repartent quand même relativement bien. Avec un peu d'eau, donc on obtient une mousse un petit peu plus légère, mais pas...
mais qui ne manque pas de protection quand même, donc moi ça me va parfaitement. Toujours très confortable hein, le savon Phoenix. Très appréciable hein, et qui plus est avec un bon coupe-chou bien affûté, c'est un régal. C'est le top. Ouais, vous avez vu, hein. J'ai juste remis un petit peu d'eau. Il est reparti cash. Voilà. Donc c'est beau. C'est beau, c'est bon. Allez. Hop. Hop. Et c'est parti. Hop. Allez, je vais essayer de nous faire ça là. Ça va tout seul. Ça va tout seul. Ouais. Mes deux achats là sur Imperial Arosia, la pierre et le strope, c'est vraiment voilà, c'est le best of the best de l'océan. Ouais. Enfin, moi je trouve, après voilà, c'est les résultats au microscope parlent d'eux-mêmes. Et sensation pendant le rasage et post-rasage, sérieux au poil quoi. C'est sérieux, c'est voilà quoi, du travail de dingue. Voilà, j'obtiens des biseaux phénoménaux avec ça. Attendez, je baisse un peu là, parce que ça me gêne pour y voir. Hop. Oh guiguillo. Ouais. Laisse-moi faire face à la cam. Hop. Ah, ça glisse tout seul. Ouais, c'est top. Top, top, top. Ça fait du bien de se raser. J'avais beaucoup de poils en plus, ça m'a saoulé. Bon, je vous fais ça là, mais ouais. Je ferai des retouches après en bordure là, parce que vu que je suis au téléphone, j'y vois que. Ah, je vous fais un peu à l'arrache, mais bon. Sérieux, pour vous amuser, essayez de vous raser devant votre téléphone. Vous allez pleurer. J'essaye de me raser. Vous allez vous trancher la gorge, voilà. Il faut, voilà, n'essayez pas si vous ne savez pas vous raser au coupe-chose. Franchement, si c'est votre premier rasage et que vous faites ça au téléphone, c'est chaud, chaud, patate. Oui. Voilà, le petit point de sang de famille, hein, l'unique point de sang qui revient toujours. Ah, j'en ai un là normalement, mais il n'y est pas. Et là,
Bah, tout à l'heure je l'avais, là je l'ai plus. Je sais pas pourquoi, mais des fois là. Et c'est toujours au même endroit, toujours. Genre une petite aspérité de la peau qui fait chier. Bon ben voilà, seconde passe de dingue. Ah, c'est doux. C'est neuf. Non, non. Lavé avec Myrlène Supra. Bon écoutez, il y a plus de pub en plus. Je me fais trois finitions de bordure là, bim boum, je vous retrouve après pour la conclusion de ce bisou, mais bon, vous l'aurez compris, j'ai kiffé grave. Donc voilà. Allez, à tout de suite. Yep, bah ben voilà, c'est fini. J'ai eu un putain de rasage, un bon rasage, bien confortable. Le bisou, ben ça s'est vu au microscope, il était top, voilà. Peut-être vous mettre une photo là, hop, et du coup, ben ça change tout quoi. Avoir un bon biseau bien poli et tout, c'est rien à voir quoi. Rien à voir niveau confort, c'est vraiment de la balle. Donc, qui plus est, en plus, c'est un petit fil harmonica nouveau dur. Vous n'avez jamais testé, mais là, effectivement, c'est de la balle. Pouah. Après rasage américain, États-Unis, ils bastonnent. Ah bon, ben ouais, je vais rendre ce rasoir à son proprio qui va le récupérer. Je sais pas s'il va s'en servir, mais bon, on verra. En attendant, moi je trouve qu'il rase superbement bien. Je suis fan. Les nouveaux durs, voilà. Moi, j'avais testé les Doble Template, les Subsero, j'ai testé un E-Special. Et là, un petit nouveau dur. Et sincèrement, hein, ça ne déroge pas à la règle. N'importe quel modèle que vous preniez de chez Philharmonica, moi perso, hein, ça fait partie des meilleures expériences que j'ai avec les coupe-choux. Les filas, les lames filas bien préparées, pouah, c'est de la tuerie. Voilà, donc toujours pareil. Si vous avez des thunes à mettre dans des rasoirs, moi je vous conseille déjà un petit filat bien retapé. Ça peut clairement trop le faire et ça peut être super. Désolé, je fais mon petit ménage en même temps que je vous parle. De toute manière, je vais vous laisser. Bah écoutez, moi je... J'ai perdu le couvercle de mon savon, mais c'est pas grave. Je vous invite quand même à vous abonner à la chaîne, à faire sur la petite cloche de notification pour avoir mes dernières vidéos et à mettre des pouces en l'air. Sur ce, bah écoutez, restez toujours bien affûtés pour avoir un superbe rasage. Allez, je vous laisse, je vous dis à plus, je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Comme d'hab, si tu veux t'abonner, tu cliques sur le petit rond GRV au milieu. Et ensuite, si tu veux voir d'autres vidéos, eh ben, tu cliques sur les jaquettes à côté. Allez, bisous, ciao !